Eh bien, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans Subsistence. Alors, donc, nous voici dans la deuxième partie des chasseurs. Et, ouais, quelle brillante idée que j'ai eue. Franchement, là, je me félicite. Pas vraiment. Écoute, ils en ont profité, toute la gang. Ok, je pense que depuis le moment où ce que je les avais désactivés, comprends? Où est-ce qu'ils venaient m'attaquer là? Alors moi j'allais les attaquer, mais les autres ils pouvaient pas venir parce que j'avais pas activé le choix. Alors là j'ai activé le choix pour te montrer, pour me montrer, ainsi de suite, quelle base qui était pour atteindre, ainsi de suite. Écoute, matin, soir, après-midi, ça c'est bon. À n'importe quel moment de la journée, man. À n'importe quel moment de la journée, je pense qu'ils se sont tous passés le mot. Ils ont dit, hey, le gars, il vient de nous activer depuis super longtemps. Écoute, c'est horrible, man. Ah, et puis je suis en mode de, tu sais, en mode de construction, là. Tu sais, c'est comme. Et que c'était pas le temps. Mais, bon, je voulais savoir quelle base qui était pour venir attaquer. Maintenant, je ne suis pas tout à fait encore 100% garanti qu'ils vont attaquer. Puis d'ailleurs, là, quand je te dis qu'ils attaquent des bases, ils attaquent pas vraiment des bases, mais ils attaquent tout ce qui est alentour de la base. Alors, tout ce qu'on appelle structure, la structure que je suis en train de faire, là, présentement, là, je suis en train d'essayer d'agencer ces deux escaliers-là. Je vais les appeler les échelles. Là. Alors, ces deux échelles-là, j'essaie de les combiner ensemble, tu comprends, pour en mettre une, ben, pour que ça donne l'impression qu'il y en a juste une. Mais c'est un peu compliqué. Ah non, je vais réussir à faire ça. Fait que, oui, fait que, alors, ils attaquent tout ce qui est structure à part de la maison sur le lac. Et puis, comment je pourrais dire, leur target favori, c'est la serre. C'est l'élément le plus sensible du jeu, ben, présentement. En tout cas, pour moi, parce que la serre, je veux garder ses morceaux, parce que je vais en avoir de besoin plus tard. Alors, écoute, je l'ai réparé quelques fois. Je te dis, là, depuis notre dernière vidéo, là, il y a quand même quoi, 2 jours à peu près là, qui s'est passé, depuis la dernière vidéo, donc 2 jours additionnels de jeu. C'est fou, man. C'est fou. J'ai pas le temps de collecter, j'ai pas le temps de rien faire, j'ai pas le temps d'aller voir nulle part. Les petits mots, t'as dit, t'as toujours cet avertissement-là. Bing, votre base est attaquée, votre base est attaquée. Ben, arrête. Je veux construire. Mais je vais les laisser comme ça, pareil, parce que ben c'est important. Je pense que juste pour voir un peu où est-ce qu'ils... Je sais où est-ce qu'il attaque ici, puis comme je n'avais parlé à l'autre vidéo, j'avais une idée de où est-ce qu'il était pour attaquer. Fait que ça, c'était correct. Là. Je me suis trompé un tout petit peu parce que je pensais vraiment pas. Oh! Hello! Ça aurait fait plaisir, man, un petit avertissement, là. Au lieu de m'attaquer dans le dos comme ça. Règne de sauvage. Voyons donc. Fait que... Ben là, je me souviens plus. Là, qu'est-ce que je disais, là, avec cette... Avec ces mouk-mouk-là, là. Hey, écoute. Ben, tu vois, c'est comme ça. Ben, habituellement, par contre, j'ai un avertissement, là, qu'ils s'en viennent. J'imagine que le jeu avait pas nécessairement pris en considération, lui non plus. Il a été surpris. Il a dit, ben non, regarde. Alors, regarde, c'est pas grave. Hey, si tu veux savoir, en passant, j'ai fait une augmentation de mon fusil de chasse. Alors, j'ai augmenté la capacité du magasin de 1 balle de plus. C'était pas si mal. Qu'est-ce que c'était... qu'est-ce qui était plus coûteux que je m'attendais vraiment pas? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'était les lingots. C'est quoi ça? Les douilles. C'était des lingots et la corde. Je m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, c'est pas grave. Et puis... ouais, puis écoute, il y a plus comme ça toute la journée, hein. Donc, j'essaie de bâtir, je suis toujours mouillé. Puis là, ben, on finit notre journée avec les chasseurs qui m'attaquent. Et puis, tu vois, on va sûrement en avoir durant la nuit, ils nous lâchent pas. Fait que, anyway, je te vois à l'intérieur, ce sera pas long.
Ouais, fait que comme je te disais, ils attaquent à tout moment. À tout moment. Ils ont pas de répit. Non, non. Pas de répit, pas de repos. Qui est pareil pour moi, là, finalement, mais ça me fait rire parce que je me disais, écoute, je pense que ça fait longtemps qu'ils attendaient que je les mette en normal, t'sais, pour qu'ils peuvent attaquer de façon aléatoire. Parce que j'ai pas attaqué, là, écoute, j'ai attaqué, oui, mais t'sais, je veux dire, depuis que je les ai mis actifs, donc mode normal, je les ai pas attaqués, là, t'sais, c'est comme. J'ai pas eu le temps, de toute façon, ils sont venus me voir tout seul. Fait que. Et ben le petit côté pratique, c'est qu'ils m'emmènent des ressources. Alors au lieu que moi j'aille courir après leurs ressources, parce que c'est eux qui me les emmènent. C'est correct. C'est comme. Il n'y a pas de. T'sais, whatever. J'ai du bon avec le moins bon, je pense. T'sais, c'est comme. Tu prends le meilleur avec le pire. Puis tu te débrouilles avec le restant. T'sais. S'il en reste. Et puis, c'est ça. Fait que, mais par contre, j'ai pas perdu aucune vie. Quand même, par contre, parce qu'il y a quelques fois que je sors de la maison, parce que quand je rentre, j'enlève mon chapeau et j'enlève ma veste. Et, ouais, fait que des fois, j'oublie de le remettre. Fait que, il y a eu une occasion où est-ce que, ils sont arrivés comme ça au hasard. Et puis que là, je trouvais que je prenais beaucoup de dommages, mais rapidement, tu sais, avec une ou deux balles, là, puis j'avais quasiment plus de vie. Puis là, que j'ai réalisé, non, j'ai oublié mes équipements de protection. Fait que, donc, là, j'essaie de pas les oublier, mais quand même, quand même, quand même. Fait que, en tout cas, on va voir, là, on est encore pas mal tôt dans la nuit, mais. Pratique ce jeu-là parce que justement la nuit dure pas si longtemps. Moi je me souviens quand le jeu avait sorti là, dans ses premiers temps, là, ben c'était pratiquement aussi long la nuit que le jour. Donc c'était vraiment là 50-50. C'était long, man. Tu t'avais rien à faire, puis ben t'avais rien à faire. T'as toujours des petites choses à faire, mais t'sais, la pêche n'existait pas. Il y avait plein d'affaires qui n'existaient pas dans ce temps-là qu'on a aujourd'hui, fait que. Tu perdais beaucoup de temps là, t'sais, durant la nuit, mais bon, c'était correct. Puis, mais il a ajusté ça très rapidement, là, très rapidement. Fait que. Ici, je l'ai pas pris encore, hein, cette petite fenêtre-là. Je sais pas si ça va être un bon point stratégique. Mais il se promène un peu partout. Fait que jouer des caisses, là. Et il se promène un peu partout. Fait que c'est dur. Je suis pas certain que ça ici, ça va être. Bien arrangé. Hein, tu veux, hein? Je vérifie voir si j'ai mon linge, mais. Mon linge de protection, je veux dire. Mais mes balles bleues, même, parce que. Écoute. Ah, j'ai fait un peu de ménage ici en avant. Okay, fait que. J'ai contreplaqué un plancher, j'ai reculé les escaliers. Oh, votre base est attaquée. Ben oui, garde, garde, c'est ça. C'est votre base est attaquée. C'est ma base. J'ai vu le lapin courir. Le lapin dit, je me sauve d'ici. Une gang de malades qui va se tirer dessus. Tout là, fatiguant. Quand tu ils ont attaqué encore la serre. Puis je trouve ça quand même parce que la serre, elle a pas de BCU à l'intérieur. C'est juste une structure sur la map. Fait que je sais pas. Je sais pas, mais ça ici, cette petite affaire-là, je l'aime bien. Ça m'a servi à quelques reprises pour me protéger. Je ne laisserai pas là, évidemment, mais ça nous donne des idées pour après. Tu comprends? Mais tu vois, regarde. Pas besoin d'aller les voir. Ils viennent avec des balles, des douilles, de la poudre à canon, des barres de granola, des clous. Ah ben là, j'ai une série de planches, de cordes et de clous sur moi parce que ben c'est ça, j'essayais de finir avant de partir la vidéo. J'essayais de finir les escaliers, tu sais, pour. Ben, parce que je veux voir, en principe, là, tu sais, où est-ce que je peux monter, là, faire des petites affaires. Fait que. Ah, c'est celle-là, c'est. J'avais plus vu la caisse de construction là, sur la plage, mais celle-là, je l'ai vue quand j'ai sorti tantôt. Là. Ouais, fait que, écoute, c'est ça, fait que je voulais terminer ça, cette partie-là,
Popoule, vous êtes rendu au niveau 10. Excellent, Névisant, Popoule. Névisant. Oui, oui, je sais, la gang de malades, man, ils vont venir vous... C'est drôle, hein? Ils attaquent pas le poulailler. J'ai aussi déplacé la foreuse. Je l'ai mis à côté du poulailler. Parce que je l'ai réparé à peu près deux fois, la foreuse. Fait que je pense qu'elle a 600 de niveau de... 600 de niveau de santé, si on peut dire ça comme ça. Oh, flèche. Ouais, donne. Et voilà. Merci. Ouais, fait que j'ai déplacé mes petites lumières, j'en ai fait un autre ici. Fait que là, cette partie-là, là, vraiment, là, super bien éclairée. Mais j'ai pas été capable de placer mes petites lumières de la même façon qu'ils étaient au tout début. Je sais pas. Au début, je pense que ça a vraiment été comme un... Moi, j'appelle ça un fluke. T'sais, quelque chose là, qui était pas supposé d'arriver, mais qui est arrivé. De la façon que j'ai installé mes petites lumières, où ce qui reflétait la luminosité se reflétait vers le haut, au lieu d'être sur le côté. J'ai pas été capable de... Ok, je vais te faire un projecteur. Ouais, je vais te faire ça. Ah, oh, je vais te faire des batteries aussi. Je vais te faire des batteries. Ma torche de mon pistolet est finie. Et puis, je viens juste de remarquer la torche du double canon. Il est pratiquement terminé aussi. Fait que je vais te faire deux piles. Alors, on a besoin de l'adhésif, adhésif, 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 que moi j'appelle de la colle. On va coller. Ah. Zinc, potassium. Ok, pile, batterie. 1 et 2. Parfait. Oui, je vais faire un projecteur. Je vais aller la poser sur la roche. Et puis, on regardera ensemble. Voir un tout petit peu. Ça va être le jour. Là. Je pourrais pas nécessairement bien déterminer est-ce que ça va faire... est-ce que ça va être correct ou pas. Mais je vais quand même pouvoir déterminer un tout petit peu. Un tout petit peu. OK. Good. OK. Va, mes poulets. C'est mieux dehors avec les chasseurs, je pense. Finalement, le méchant gars, c'est à moi. Ok, je vais aller les faire cuire tout de suite. Puisque je pense que j'en ai trop de... qui est pas cuit, là. Ça déborde, là. Et que tu peux les storer à combien? Je pense que c'est à 5 quand ils sont non cuits. Puis tu peux les stocker ou les storer à 10 quand ils sont cuits. Fait que... Mais honnêtement, là... J'ai de la bouffe pour les fins et les fous, là. C'est comme... Oh non! Ok, on va aller voir. On va aller voir. Sont-ils là? C'est ça que je voulais voir aussi, hein. Je l'ai-tu mentionné? Parce que ça se peut là, qu'ils attaquent d'autres structures. Et il se peut aussi... que cet avertissement-là soit un avertissement qui aurait dû être lancé à l'avant-dernière attaque. Tu sais, celle que j'étais en train d'installer la fondation, là, puis que j'ai pas eu d'avertissement. Des fois, c'est ça, le jeu fait ça, il est un petit peu en retard. On va voir. Puis ils adorent, hein? Ils adorent se cacher derrière la roche, hein? Fait que je regarde toujours là, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je bâtis pas là, parce que je me dis, si je bâtis là, ils vont venir défaire tout qu'est-ce que je fais. Fait que, alors, je préfère le mettre sur le côté. J'aimais mieux être en arrière. Je trouvais que l'accès était plus naturel pour pouvoir monter sur la roche, là. Mais bon, on laisse tomber. On laisse tomber. Fait que je l'installerai ici. Je vais travailler dessus, là, graduellement. Je sais que je vais être capable de les agencer ensemble, mais... En tout cas, si ça ne te... Si je vois que c'est trop compliqué, je changerai de façon de faire. Mais pour l'instant, j'ai comme peut-être... En tout cas, j'ai quand même... tiens, une idée comment le faire. Fait que... Check ma fondation, man. Et quasiment à les 50% du jeu. Ben, ou de perte de vie, là. Whatever. Je sais pas comment appeler ça.
OK, alors, donc le projecteur, moi je voulais le mettre à côté du BCU. Je ne sais pas si c'est une excellente idée en passant, parce que éventuellement, là, je vais vouloir, là, pour expérience, puis en même temps, ben, écoute, depuis que j'ai parti, c'est les chasseurs, donc aussitôt que je les ai activés, si tu veux, en normal, ben, j'ai pas été faire du loot sur la map. Alors, c'est comme, tu sais, il faut que je sorte, man, parce que il faut que tu ré-remplisses les coffres, right? Moindrement que tu as. Moindrement que tu. Ben, que tu prends les ressources pour soit réparer ou augmenter les forces ou les capacités, et ainsi de suite. Ben, ça prend des ressources. T'as pas le choix. Fait que donc, il faut que tu fasses le tour de la map. Là. Tu peux pas toujours rester dans le même coin. En tout cas, je déteste pas le fait qu'ils sont libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ça va aussi m'indiquer. Puis d'ailleurs aussi, qu'est-ce que je voudrais, tu sais, dans mon intention de tout ça, c'est que de mon intention d'expérience, c'est que je veux voir quand je serai ailleurs que la maison sur le lac, puis qu'ils attaqueront la maison sur le lac. Est-ce que j'aurai, si tu veux, est-ce qu'ils vont attaquer directement la maison ou ils vont juste se concentrer sur les, ben sur le seul et unique BCU que j'ai mis sur la roche en passant. Hein? Alors, et ça sera peut-être parce que je veux construire une grande serre là. Grande serre est égale à beaucoup de panneaux de vitre. Et panneaux de vitre, tu peux pas solidifier. Ok? Fait que, mes deux batteries sont prêtes, c'est excellent. Alors, le pistolet. Et puis, le fusil à pompe. Ou à canon double, whatever. Et le fusil, oui, il est correct. Bah, ben, il est correct. Il est correct. Oui, il est correct. Ok, toi, t'es prêt. Parfait. Nice. Comme je te dis, vu qu'il fait. Ben, c'est pas nuit, hein. Et puis, j'ai pas l'intention. On est déjà rendu quand même à 17 minutes et plus du vidéo. Alors, j'ai tout simplement pas l'intention de faire ça là, jusqu'à tard dans la nuit. Je veux aller voir parce que je t'ai mis des suppositions là, pour l'avertissement qu'on a eu puis qu'on n'avait pas de chasseur. Mais il y a d'autres suppositions aussi. Est-ce qu'ils ont attaqué le manoir? Ont-ils attaqué la base de Monsieur Levy? Tu comprends? Fait qu'un jour, on va aller voir ça ensemble. OK. All right. OK. Regarde les petites fleurs, là. Quelle couleur qu'elles sont? Ben, rose, rose et jaune, là. OK. Tu vois? Regarde-les encore. Regarde. Fait que je pense qu'elle est bien placée. Mais la placer comme ça, je sais pas si j'avais terminé mon idée, la placer comme ça juste à côté d'un BCU, ici, il vient attaquer le BCU, ça c'est fort possible que. J'ai-tu mon linge avec moi? Non. Un peu. Excuse-moi. Écoute, j'ai fait la tournée rapide. Pour l'instant, ça me semble que non. Qu'est-ce que je te parlais, le BCU, le flat? Ah oui, le BCU, c'est quoi? C'est 15 000 points de vie. Et le floodlight, si je ne me trompe, c'est 1 000. Fait que, devine lequel des deux qui va partir le plus rapidement. All right. Good. On va aller voir la base de Monsieur Levy. Parce que ici, je pense qu'il n'y a rien qui est arrivé. On va regarder ce côté-ci. Il aimait ça attaquer ce côté-ci aussi. Puis d'ailleurs, il y a deux BCU de ce côté-ci. Non. Non, il y aurait beaucoup plus de dommages parce qu'on ne l'a pas défendu. Ben, je ne l'ai pas défendu. Je pense toujours à Monsieur Levy. Je veux dire, tu sais. Je ne l'ai pas défendu, fait que.
Ouais, puis ça ici, c'est ici depuis longtemps, ça. OK. Fait qu'on va aller voir la base de Monsieur Levy. Voir. Des fois aussi. Ben, ça devrait. Je me souviens pas du moment. Je me souviens pas d'un moment précis où est-ce qu'ils ont attaqué cette base-là. Mais j'ai toujours été dans les environs, puis comme je te dis, ça fait des mois, mais plusieurs. Minimum, là, depuis février 2019, que j'ai débuté le projet La Maison sur le lac. Fait que ça fait minimum, depuis ce temps-là, que j'ai pas les chasseurs, je pense. Je pense pas les avoir réactivés à un certain moment donné. Il faudrait pas. Ils adorent attaquer ici en avant. Puis des fois sur le côté. Hop, 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 hop. Et où? Ok, je le vois. Ils sont durs à voir dans les brindilles. Je t'ai manqué. Ben là, écoute, ça m'a pris quasiment 8 balles pour l'avoir. Il était top celle-là. Ok. All right. Non, je pense que base de Monsieur Levy, c'était pas. Fait que ça a dû être juste le genre de d'avertissement en retard. Le jeu a juste pris en considération que. Ou, sais-tu quoi? Il y a une autre hypothèse aussi. C'est parce que j'ai beaucoup de ces fameux PCU hein, qui sont sur la map pour faire le lien du point A au point B, du point B au point C. Alors, et puis ils sont, la plupart, ils sont à l'intérieur d'une petite structure. Tu sais, ils vont un peu partout sur la map des fois quand je me promène. Non, non, Loulou, reste tranquille. Et fait que peut-être qu'ils attaquent ça aussi. Comme je dis, le but. C'est d'attaquer, ben, je sais pas si je l'ai dit là, mais le but, c'est de défaire ton BCU. Ça, c'est leur objectif. Mais si tu es dans les alentours de ce BCU, l'objectif vient de changer. L'objectif, c'est de t'éliminer. Ça, c'est leur. Comment tu dis ça? T'es un peu. Des rogues. Donc, le icing on the cake, donc le glaçage sur le gâteau. And the cherry on top. Et la cerise par-dessus le gâteau. Fait que quand ils te voient arriver, eux autres, là, toi, t'es la cerise sur le gâteau, là. Comprends? T'es le big prize, là. C'est comme. Ils peuvent pas avoir mieux. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Va rejoindre tes amis, là. Oh non, man, il y a une caisse. Il y a une caisse spéciale. Mais mon inventaire est pratiquement plein. OK. Alors, fondation. Une caisse. Super simple. Heureusement, j'avais les planches sur moi. Les planches, la corde, les clous. Fait qu'on va installer ça. Je veux rien perdre là. Je sais que j'ai perdu la dernière fois des morceaux là, dans la caisse spéciale. Là, cette fois-ci, je veux absolument rien perdre. Tout s'en vient avec moi. Puis je sais pas si je vais avoir assez de place. Fait que je prends pas de chance. J'ai deux clés. Ça, c'est excellent. Mais ils sont pas là, hein? Ils sont. Des fois, tu sais pas, man. Alors. Bon. Je vais essayer de garder qu'est-ce que. Ah, c'est ça. Je me demandais pourquoi j'ai le zinc. Ah oui, j'ai fait les piles, les batteries. Je me souvenais plus. Okay. Hey, c'est rare que j'ai un saumon. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un saumon. Ça, c'est bon. J'aime ça faire les petits pâtés au saumon. Dans la cuisine, là. C'est une des recettes que j'ai pas beaucoup. Parce que je fais pas beaucoup de pêche. 19 ferrailles. 19 fragments de fer. Puis 4 ferrailles. Super bon. Alors, je pense que j'ai couvert mon. J'ai couvert le coût de la queue. J'avais assez de place. Mais c'est pas grave.
caisse fondation, là, t'en vois partout des fois là, sur mon jeu. Là. C'est pratique, c'est pratique. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. Non, non. Moi, j'aime ça. C'est super bon. Alright. Bon. Ben là, on s'en va à la maison, là. Hein? Fait que avec ça, ben écoute, je vais te prendre l'opportunité de te dire un grand merci hein, d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et je dis aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci d'avoir participé à ce jeu. Et, comme mon habitude, je vous dis, on se voit à la prochaine. Allez, salut mon chum.